Tantôt, Bessa, quand même, je l'ai créé de toutes pièces. Hein. C'est mon bébé. Hein. Bessa est mon bébé. Je le dis fièrement parce que j'ai beaucoup investi dans cette école-là. J'ai vendu mes biens pour ouvrir cette école-là. Et j'ai une passion pour la formation parce qu'il y a des gens qui servent le pays autrement. Et moi, je veux servir mon pays en formant des jeunes. Et quoi faisant, faire en sorte que demain ils puissent avoir leur propre entreprise. Et notre credo, c'est l'entrepreneurship. Si vous avez vu que j'ai invité une Marocaine qui n'est pas née au Sénégal et qui a réussi au Sénégal, c'est pour montrer aux jeunes qu'ils peuvent réussir. Si un étranger peut réussir chez eux, eux aussi ils peuvent réussir. Donc je suis très content. Et comme vous l'avez vu, c'est une réussite totale. Et c'est ma première promotion. Et tout à l'heure, l'émotion m'a tellement prise que je ne pouvais même pas parler parce que je sais ce que je ressens. Ça fait 48 heures que je n'ai pas dormi. Et toute cette organisation m'incombait. Et vous savez, c'est vrai, un manager doit déléguer, mais moi quand même, je ne déroge même pas la règle. Parce que je me suis dit, tiens, il faut que je sois là. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais dire et vous remercier aussi. Et comme je vous l'ai dit, comme je l'ai dit la dernière fois, il faut travailler. Comme disait l'autre, un contrat, j'ai toujours travaillé. Il n'y a que le travail qui paye. Et nous, Sénégalais, nous devons croire en nous. Ce que disaient aux étudiants, il faut croire en soi. Et je me répète, si un Américain à 19 ans, 20 ans peut conduire une voiture, à 25 ans, 30 ans, avoir un appartement, à 30 ans, fonder une famille, pourquoi pas nous? Parce qu'on ne nous fait pas rêver assez. Et c'est une triste réalité au Sénégal. Réunion le way tel un chat. Non, il faut qu'on apprenne à nos jeunes à rêver. Et nous, ce que nous faisons à l'école, oui, le paradigme doit changer. Et je pense que ça doit être une volonté politique. Et je pense à un comme à l'État. D'abord, ça doit commencer dans les familles. C'est dans les familles que ça doit commencer. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de relations toxiques. C'est quoi une relation toxique? C'est être avec des gens qui ne vous parle que de négativité. Tout ce que tu dis, tout ce que tu entreprends, il dit que c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et ça devient une culture. Et c'est ce qu'on vit au Sénégal. Donc dès que tu vois un entreprendre, tu dis non, c'est pas bon. Mais il faut essayer.
tantôt, j'ai dit que le bébé va tomber 10 000 fois avant de pouvoir se mettre sur ses pieds. 10 000 fois. Donc, voilà. C'est le message que je voulais lancer à la jeunesse sénégalaise. Gom sen bop. Gidbi ngeni del barsa barsa koko kharula. Écoutez, ni ki se wursa ding ko lek. Ala kouleyal ding lek se wursa. Donc, man mi di waxe à 17 ans, yep ma commencé mon bop, sama wajuri. Ni ma jox ma len non. Ma dañ jël sama affaire di jaay. Ak ba bani ma day ni may gorgolo. Sante yalla, ko ne am ko la jappalé mais moi, à 17 ans, j'ai commencé à être entrepreneur. Et là où je vous parle, je suis entrepreneur. Parce que j'ai deux écoles. Et c'est mon rêve. J'ai toujours rêvé d'avoir des écoles et je l'ai réussi. Il faut rêver et oser rêver. Voilà, c'est le message que je veux lancer aux jeunes. Aussi, je les félicite. Et franchement, ils sont tous braves. C'était pas facile. Parce que quand même, créer une école, créer une entreprise... Donc il faut 3 ans, 2, 3, même 5 ans pour que ça puisse être debout. Mais grâce à Dieu, par la grâce divine, nous quand même on a réussi quelque chose en un temps record. Et ça, je le dois à mon épouse quand même qui m'a toujours soutenu. Je le dois à mes collaborateurs. Je veux citer Mademoiselle Diop, Madame Diop, Mademoiselle Diop à l'époque, maintenant Madame Ndiaye Nogueye, qui a toujours été à mes côtés. Qui a toujours compris ma vision, mon directeur des études, M. Sec, le corps professoral, et surtout le corps professoral. Et on ne peut pas parler de formation sans le corps professoral. Parce que comme je le dis souvent, nous ne vendons pas des voitures, nous ne vendons pas du matériel, nous vendons un service. Quoi faisant, il faut qu'on se mette dans la tête que nous délivrons, nous devons délivrer un message. Nous devons faire rêver et pousser nos étudiants surtout à la créativité. Le paradigme doit changer. Comme je le dis souvent, l'étudiant doit fournir 80% de l'effort et le prof 20%. C'est comme ça. Nous ne sommes plus à l'époque du... Nous sommes plus au 19e siècle où c'était le cours magistraux, on est là, on écoute, on capte. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le « output ». Chaque étudiant, chaque personnel doit donner de soi. Et bien entendu, tout dépend du management. Parce que le management, un bon manager doit déléguer et créer une sorte de transversalité dans son entreprise. Il y a aussi ce qu'on appelle le toyotisme. C'est l'efficience avec très peu de personnes. Moi, si vous voyez, je ne travaille pas avec beaucoup de collaborateurs et on arrive à faire bouger les choses. Et je pense que ça, je le dois à l'école américaine, qui sont très, très pragmatiques. Bon, malheureusement, on le dit, nous sommes issus de l'école française, où le diplôme est mis en avant. Et je dis souvent que le diplôme est une présomption de compétence. Si vous allez aux États-Unis, par exemple, où j'ai été, ils vous diront « What can you do for me ?» What can you do for me? Il te donne les objectifs et le deadline. Et il te laisse faire ce qu'on appelle empowerment. Empowerment, c'est le faire. Et je pense que nous devons nous en inspirer et faire prendre conscience à nos concitoyens, surtout les jeunes. Nous sommes sen bop, gamlen sen bop. Gali yoro. Je fais qu'on est galé avec ses noyaux d'une fédesse, nous d'une fédesse. Donc, si vous êtes galé, quel moyen vous avez? Et la chance qu'on a, l'Afrique est devenue l'attraction. Tous les jeunes Américains que vous voyez, les Européens que vous voyez dans la rue comme ça, là, ils viennent s'approprier de nos ressources. Des fois, vous rencontrez une jeune Américaine qui dit oui, Pendala, Toudou, qui dit leur Mam Diara, qui dit leur Pate, tout ça, c'est pour s'approprier de notre culture. De Nignyaou. Ils reviennent pour vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut que nous sachions ce qu'il y a et il faut valoriser ce qu'on a. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire concernant la jeunesse. Dinabakh, voilà. Bonjour, je m'appelle Neda Zaimi,
Donc, je suis fondatrice du restaurant japonais Sushi Express. Voilà, je suis venue aujourd'hui aux événements de l'école SMB. Voilà, c'est pour assister à la cérémonie de la remise des diplômes. Et vraiment, j'ai bien apprécié le cadre, la cérémonie. Voilà, c'est une porte pour les jeunes sénégalais, pour qu'ils apprennent un métier. Et vraiment, c'est un métier d'avenir. Tout ce qui est hôtellerie, cuisine, voilà, et tout ce qui va avec. Donc, mon conseil aux jeunes diplômés, c'est tout est possible, rien n'est impossible déjà. Et au bout d'un certain effort, il y a vraiment du résultat. Donc, l'essentiel, c'est que la personne soit honnête, ponctuel surtout, et il a l'amour et la patience dans la cuisine, et elle essaie d'apprendre tout ce qui concerne la cuisine. Comme ça, elle arrivera à concrétiser des plats, à être des grands chefs dans des grands restaurants. Alors, je vous remercie énormément, la chaîne RTV, et je vous souhaite un bon courage. Merci beaucoup et bonne journée. Promotion BS à l'école des métiers, mais nous aucun connaît ce tour accessoire. Bon, alhamdulillah, du dos de santé à l'arrêt. D'après nous, santé à l'arrêt, santé signé à l'arrêt, nous sommes directeur BS à l'école des métiers, content de l'intro, nous sommes aussi remercier les professeurs, nos encadreurs et tout, content de l'intro. Santé à l'arrêt, santé à l'arrêt.
bon, Marlène de lancer un message en lui disant bon, le sommet est long, il faut continuer de travailler. Nous savons que le meilleur reste à venir. Bon, je souhaite que nous le bon sens. Elle n'y a pas de plaisir. Bon, je suis créé mon propre entreprise. Je sais que je suis un chef. Je sais que je suis un chef. Je suis un chef. Je suis un chef. Assalamu alaikum. Mangi tuddu Mampen de Saw, étudiante à BT Transport Logistique PSA École des Métiers. Di rafetlu bu baax ci journée bi, contane aussi bu baax ci monsieur Tal. Vraiment dafa ñakki ñaan jël ñu ñun ñepp ouf ñu tété ñu ba tay fi formé ñu tamit ci wal entrepreneuriat tay ji. Étudiant yépp ku nekk amna sa propre projet bo xamantani. Si tu n'as pas de travail, tu peux créer ta propre entreprise et tout. Et c'est vrai que la mission est spéciale à lui. Je lui ai demandé de me promotionner et les professeurs. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Oumousso, étudiante en restauration. BDO, BSA, École des Métiers. Aujourd'hui, franchement, nous sommes tous contents. Du fait que nous avons tous nos diplômes de génie, vraiment, je suis très heureux. Je remercie aussi notre directeur, monsieur Tal. Franchement, il a fait tout ce qu'il a juste pour que nous soyons tous dans le monde. Nous avons aussi notre diplôme dans le monde. Nous avons appris ce que nous savons, c'est ce qu'il a dit avec nous. Franchement, je vous dire aussi ce que nous savons, nous sommes en ligne. Nous sommes tous venus à BSA, École des Métiers, Braxton School of Art. Franchement, tout ce qu'il a dit, bonjour avec quelques confiants. Bon, transport logistique. Restauration, hôtellerie, tourisme, amener marketing, économie. Bon, beaucoup de filières là, franchement. Amener droit, moi côté Mermouge, côté en face École Police, porte principale École Police. Voilà.